Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, dans cette nouvelle semaine du mois de décembre. Nous sommes lundi 12 décembre 2022 et je pense que c'est la deuxième semaine, oui, la deuxième semaine de ce mois de décembre. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avez-vous passé un joli week-end? Je l'espère pour vous. Alors, nous allons continuer avec mon petit oracle intuitif. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé le moment présent. Eh bien, cette carte, elle vous invite à être dans le moment présent et surtout de l'apprécier. Cette quête est une façon, n'est-ce pas, de revenir à soi et de se recentrer en pleine conscience. Lorsque notre cerveau pense à hier, eh bien, que fait-il? Que faisons-nous? On ressasse. Et on ressasse encore, et on ressasse encore, et on ne sait plus rien faire parce que ce qui a été vécu, nous ne pouvons pas le changer. C'était hier. Ou notre cerveau pense à demain. Et ça comporte tout son lot d'incertitudes. Demain, nous ne savons pas demain. Nous sommes dans le néant. Mais qu'en est-il du moment présent? S'il est nécessaire de se rappeler d'heureux souvenirs ou d'avoir des projets, n'est-ce pas? Il est dommage de monopoliser eh bien, notre mental en faisant constamment des plans. Des plans qui nous font passer à côté de l'instant. L'instant présent, ce que nous vivons présentement. On entend, eh bien, sans vraiment écouter. On mange, eh bien, sans savourer ce que nous mangeons. On paraît absent lorsqu'on est avec ses proches. Être entièrement à ce que l'on fait, ressentir l'intensité de l'instant pour mieux l'apprécier. Voilà comment saisir, eh bien, le moment présent. Petit rituel, durant la journée, essayez d'effectuer une action en pleine conscience, vraiment, hein, en pleine conscience, même la plus banale action. Par exemple, pourquoi pas, lorsque vous faites la vaisselle, eh bien, concentrez-vous sur la température de l'eau, la sensation agréable de la mousse. Quand vous rencontrez des amis, eh bien, pourquoi pas couper votre portable qui vibre tout le temps au gré des notifications? Pourquoi pas être 100% avec eux? On vous invite à être 100% avec eux. Vous vous sentez bien en leur compagnie? Et vous êtes à votre place. Est-ce que vous êtes à votre place? Dites-leur, savourez chaque seconde de son quotidien et imprimez sa reconnaissance quand on est heureux. Ça permet de se reconnecter avec le présent et de jouir tout simplement à la beauté des choses, n'est-ce pas? On ne prend plus le temps d'apprécier. Pourquoi?
Pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi vous ne prenez plus le temps d'apprécier? Allez, maintenant, on est dans cette belle période de Noël. Et on a le... Allez, je pense à la nourriture, tous les pâtés de gibier. On apprécie ça quand même. Toutes ces petites choses de Noël. Est-ce que vous les appréciez encore? Ou c'est tout à fait normal, c'est machinal? Eh bien, moi, je peux vous dire que j'apprécie énormément. Et ça, c'est vivre l'instant présent, le moment présent, présentement, apprécier les choses, que ça soit dans n'importe quel domaine. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle de l'évolution, pour notre évolution, n'est-ce pas? Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Il est temps de faire ton choix. Je vous souhaite une excellente journée et puis cliquez sur le petit pouce, ça permet à l'algorithme de faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Merci pour votre écoute. Belle journée à vous. On se retrouve demain pour un nouveau message intuitif. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.